C'est un florilège de j'arrête YouTube, découvrez pourquoi dans cette vidéo, ou genre ma dernière vidéo, machin. Enfin, et voilà, et quand tu cliquais dessus, c'était un truc hyper inintéressant. Enfin, voilà, c'était. Je sais pas. C'était vraiment un enfer, je trouve, l'an dernier. Enfin, en fait, le truc, c'est que c'était ultra. Enfin, désolé du terme, hein, mais c'était quand même ultra bof l'an dernier, je trouve. Enfin, bof. Genre bofferie, quoi. Genre en mode lol, PTDR, lol, quoi. Enfin, je sais pas, c'était forcé, quoi. Trop. C'était pas drôle, en fait. C'était juste les mecs qui profitaient de ça pour faire une vidéo à la con et faire. Dodio Shiny. Dodio Shiny en 3 minutes. Eh ben écoute, moi ça va, moi je suis d'accord. Dodio Shiny qui sort de nulle part, ce petit salaud. Et je pense qu'on va le prendre parce que je l'ai pas, simplement. Donc on va aller prendre le Dodio Shiny. J'espère que tu as bien YouTube. Bienvenue sur cette vidéo. 3 minutes seulement après les... Bon, 31 Eboli, j'en ai capturé entre les deux, mais voilà. Le Dodio Shiny qui se montre à l'écran. Incroyable. C'est beau. Il est, bah, putain, il est venu tellement vite. Bon, du coup, je vais aller le capturer avant de faire mon tweet, hein, parce que sinon c'est trop compliqué. On va aller le capturer tout de suite. Incroyable. Évidemment, à ce moment-là, il attaque. Et là, il va fuir direct. Je vais rien comprendre. Non, c'est bon, ça va. Eh, hey, laisse-toi capturer, hein, faut pas le salaud. Hein. Yes. Nice. Putain, mais Dodio, quoi. Dodio Shiny. Après seulement 3 minutes. Après une chaîne d'Evoli. Mais comme quoi, Evoli est maudit. Hein. J'ai fait je ne sais pas combien de chaînes d'Evoli en live. Et à chaque fois, c'est un autre Pokémon qu'Evoli qui est tombé. Après, il y a beaucoup de Pokémon dans la zone. Donc voilà, et Evoli est présent relativement peu d'exemplaires. Mais voilà. Un petit Dodio Shiny, moi ça me va. Ça me va très très bien. Ça fait monter le Shiny Level Index de Pokémon Let's Go. Donc je suis plutôt content. Merci Yin Yin pour le follow. Bienvenue à toi. Bienvenue Yin Yin. Et voilà, du coup YouTube, je vais faire mon tweet d'annonce. Et puis on va revenir quelques instants directement pour les statistiques de ce Dodio. En espérant qu'il soit pas trop dégueulasse. On va voir ça tout de suite. Bouge pas. Oh YouTube. On se retrouve avec ce magnifique Dodio Shiny, hein, que tu vois ici, qui se balade avec nous. C'est beau. Qu'on a appelé Dupont et Dupont. Voilà, pour des raisons tout à fait obvious, n'est-ce pas? Il est mauvais de nature. Alors mauvais, c'est quoi? Mauvais, ça augmente l'attaque, ça baisse la défense P. C'est pas dingue, hein. L'augmentation de l'attaque est cool, la baisse de défense P est chiante. Ça aurait pu être pire, évidemment, mais bon, c'est vraiment pas ouf, c'est vraiment pas dingue. Au niveau des IV, on n'a pas regardé, c'est pas le Pokémon qu'on chaîne, donc en théorie, ce sera de la merde. Mais on va checker, on se l'a vu, voilà. Bon, en vrai... C'est loin d'être dégueulasse pour un Pokémon full random. Franchement, c'est... Enfin, voilà. Bon, c'est pas fou, évidemment, il n'y a rien de parfait, mais c'est loin d'être aussi dégueulasse que ce qu'on aurait pu imaginer avec ce genre de Pokémon. Donc, franchement, ça va, on n'a pas à se plaindre. Bref, on va arrêter la vidéo YouTube ici. C'est vrai que les vidéos Let's Go, j'étais plus trop habitué, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de Shiny sur Let's Go, et c'est vrai que les vidéos YouTube de Let's Go sont beaucoup plus courtes, hein, parce que finalement, on capture direct le Pokémon, et bah, au niveau des stats, ça va très très vite aussi à expliquer. Donc voilà, mais bref, j'espère évidemment que tu apprécies toujours le contenu sur Let's Go également, hein, parce qu'on fait deux chaînes Living Dex, n'hésite pas d'ailleurs à aller checker dans la description. N'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch, à consulter, merde, je tape mes consoles, à consulter un petit peu les réseaux sociaux, c'est hyper important. Et puis voilà, le reste, le chat te l'a dit ici, là, dans l'overlay. N'hésite pas à liker, commenter, partager tout ça, t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche. On compte sur toi évidemment pour faire avancer tout ça. Alors je vous parle, on a dépassé les 7100 followers, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça monte tout doucement, mais ça continue de monter, donc c'est cool. À la prochaine YouTube, des bisous d'ici là, prends soin de toi comme d'habitude. Au revoir.